voir la division de nombres à virgule. Avant de commencer, je vais faire un exercice plus simple avec les données qu'on connaît déjà. Si je fais 36 divisé en 2, 2, Marcus, il rentre combien de fois dans 3? 1 fois 2, ça donne 2. Je descends le 6. Et 2 rentre combien de fois dans 16? 8 fois 2, ça me donne 16. Je rappelle à mes élèves que je suis en train d'enregistrer présent. Si je fais la même chose, mais avec un nombre à virgule, 3,6 divisé en 2, ça devrait me donner combien ça? 3 divisé en 2? Oui? 1,5. 3 divisé en 2, 1,5. Mais si je ne suis pas certain, je marque 1 ou je marque 2, c'est une estimation, ce n'est pas la vraie réponse. Ce n'est pas important pour ça. Donc, 3, 2, il rentre combien de fois dans 3? 2, je soustrais, ça me donne 1. Là, ici, j'ai une virgule. Donc, vu que j'ai une virgule et je suis rendu à la virgule, parce que je dois descendre le 6, je vais ajouter ma virgule. Et je continue. Donc, le 6, je le descends. 2 rentre combien de fois dans 16? 8 fois 2, ça me donne 16. Ça donne bel et bien 0. Donc, la réponse, 1,8. Je vais faire deux exemples de ton devoir. Comme ça, tu vas déjà être parti pour les prochaines pages. Donc, 567,92 divisé en 8. OK, donc 600 divisé en 10, ça me donne combien? 8. Non, 600 divisé en 10? 60. OK, là j'ai pris 600 divisé en 10, j'ai augmenté mon nombre, ça va être plus que 60 ou moins que 60? Oh, on est d'avis différents. Fait que 8, j'y vais. 8, il rentre combien de fois dans 56? 7, ça me donne combien? 7 fois 8. 56, 54, 56. Ça fait donc 0. Je descends le 7. Attention avec les bruits non nécessaires. 8, il rentre combien de fois dans 7? 0 fois. 0 fois 8, ça me donne 0. Ça donne 7. Et là, je m'apprête à descendre un chiffre qui est de l'autre bord de la virgule. Fait que je mets la virgule et je continue. Donc, le 9, je le descends. 9. 8, il rentre combien de fois dans 69? 9? 9 fois 8? 72. Ça fait 7. Là, je descends mon 2. Vous n'êtes pas sûr? Faites-les les flèches. Là. Ça ne me dérange pas les barreaux. Martin? 8 fois combien? Fait 72? 9. C'est bon. Ma réponse, 70,99. Est-ce que c'est proche de ma réponse? Oui, c'est quand même assez proche. Le prochain, un peu plus long. 1429,32, c'est ça, hein? Divisé en 5. OK, donc 1500 divisé en 5, ça donne combien? 15 divisé en 5? 3. Donc là, j'ai 1500 divisé en 5. OK, c'est 1500 divisé en 5, ça me donne 300. Donc, si j'ai 1400 divisé en 5, ça me donne plus que 300 ou moins de 300? Moins, parce que 3, 4 fois 300. Moins. C'est pas 1500, j'ai mis c'est 1400, donc c'est moins. OK, et là, j'y vais. 5, en combien de fois dans 14? 2 fois. 2 fois 5, ça me fait 10. 4, je descends mon 2.
5, il rentre combien de fois? 8. 5.8. Et oui! On va faire un petit gage de multiplication. On arrache. Le 9. 5. 5, rentre combien de fois? 5. 5 fois 5, ça fait 25. Et là, je m'apprête à descendre un chiffre, mais là, au bord de la virgule. Je mets la virgule, je continue. Donc, 5 fois quoi? Fois 8, ça fait 40. Je vais descendre à 2. 5 fois combien? 5 fois 6, ça va me donner 30. Et là, qu'est-ce qui se passerait là, si je continue? Oui. C'est ça, j'ajoute un 0 parce que je suis rentré dans les millièmes. Et là, 5 en combien de fois dans 20? 4. Si je relis la consigne en fin de sixième, on doit vous exiger deux chiffres après la virgule. Vous n'avez pas besoin de continuer après ça. Mais on sait ici que ça s'arrête là, parce qu'on pourrait le faire. Mais c'est deux chiffres après la virgule qu'on doit faire. Fait que le résumé, c'est tu fais ta division comme si le nombre était normal. Toutefois, quand tu arrives au niveau de la virgule, bien, tu l'ajoutes dans ton nombre et tu continues à faire ton opération. Est-ce que ma réponse, elle est bonne? Est-ce qu'elle est proche de mon estimation? Elle est proche? Oui. Je vous laisse travailler.